Pas trop tôt. On va pouvoir enfin commencer. Allez, hop là. Non, je suis désolée, c'est non. Voilà, c'est comme ça. Je m'agace. Oui, je m'agace parce que je suis votre messager, pas votre esclave, d'accord? Déjà que je suis montée à cheval pour vous alors que je déteste l'équitation, c'est bon maintenant. Pardon. Bon, alors, bref, merci d'être ici. Excusez-moi, Jeanne, mais vous pourriez me réexpliquer pourquoi on fait pas la réunion dans la crypte, comme d'habitude? Alors oui, vous allez voir, c'est tout bête, c'est tout simplement que l'elfe Samuel l'a réservé pour sa bar mitzvah. Oh. Ouais, mais en plus, c'est un gros truc, apparemment, il y a toute sa famille qui vient. Bah oui. Non, toute la famille? De la dimension noire? Mais ils ont fait comment? Ils sont venus en Ouibus. En Ouibus de la dimension noire? Oh, la torture. En tout cas, on peut déjà remercier l'école John Ronald Reuel Tolkien de nous avoir accueillis, parce que sans ça, on était une main devant, une main derrière, pour préparer la 90e Assemblée Générale annuelle, avec tous les propriétaires, copropriétaires et locataires du donjon. Ah, alors, les locataires, s'il vous plaît, parlons-en. Mmh. Moi, je suis toujours contre le fait qu'ils puissent venir à l'Assemblée Générale annuelle. Pourquoi toi, je me donne pas de soirée pour venir à l'Assemblée Générale en disant que locataire? Moi, je dis non. Mais tout à fait, oh, exactement. C'est peu audible. Hein? Ah, c'est moi. Ah, mais... Excusez-moi, je suis tellement bien dedans que j'oublie. Non, je disais, sous prétexte qu'ils peuvent louer des places de charrue, ils viennent à l'Assemblée Générale en tant que locataire. Moi, je dis non, on a des droits. On a des droits. On a des droits. Bon, alors, sans vouloir vous faire du mal, Kevin, loin de moi cette idée, vous n'êtes pas non plus propriétaire. Eh oui. Non, non, mais je suis quand même le plus vieux locataire du donjon. Bon, alors, locataire, bof. Bah si. Ah si, en plus, tant qu'il la voit pas, il sortira pas. Eh ben, j'avouerai jamais. Alors, je vais te faire très mal. Eh ben, fais-moi mal, vas-y, fais-moi mal, vas-y, fais-moi mal. Fais-moi signer. Non, mais enfin, ça va pas la tête, sodomite! Non, bah, ça n'a rien à voir. Eh, pardon, excusez-moi, c'est pas de ma faute, ils sont complètement pas chrétiens. Bon, allez, est-ce que, s'il vous plaît, on peut se recentrer sur la G? On est princesse, qu'est-ce que vous foutez là? Cherche les clés! Oh, mais c'est vrai, elle est pas censée rester en haut de la tour et être gardée par le dragon. Princesse, vous devez pas attendre qu'un prince vienne vous délivrer avant de sortir, c'est dans le règlement intérieur. Bah oui. Mais du coup, un héros vous a sauvé, là? Bah non. Et le dragon, il est où, alors? Ils l'ont piqué. Bon, Kevin, rendez le dragon, on n'en parle plus. Mais c'est pas moi, j'ai jamais rien volé, non. Eh ben, si les gens se mettent à voler des dragons, maintenant... Mais non, mais ils l'ont piqué, au sens premier du terme. Le veto l'a buté, quoi. Oh non. Eh oui, mais il était plutôt jeune aussi, papère, hein. 3204 ans. Ah, quand même. Ça chauffe. Oui, effectivement, ça me revient. J'étais à son anniversaire. Une journée super sympa. On avait tous des petits chapeaux pointus. Non, mais pas celui-là, un autre en carton. Ah oui. Oui. Le pauvre, il était à moitié aveugle. Il se cognait dans les tours en volant. Puis il est incontinent aussi. Il se pissait dessus, c'était une infection. D'ailleurs, faites gaffe, hein. Dans les douves, c'est pas de l'eau. Ah, c'était ça, le goût. D'accord. Bon, écoutez, princesse, je suis absolument navrée de vous le dire, mais vous avez absolument pas le droit de quitter votre chambre, ou seulement si vous êtes délivrée par un prince ou un chevalier. Ou une chevalière, hein, ça va, on n'est plus au Moyen-Âge. Oh là 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 là, mais un enfant, c'est un papa et une maman. Moi, j'ai juste besoin de la clé, donc aidez-moi à retrouver la clé et... Oh, je retourne dans ma chambre. La clé, quelle clé? La clé de votre chambre? Pour sortir de votre chambre? Mais non! Mais non, mais les clés de ma ceinture de chasteté. Oh! Waouh! J'ai vraiment besoin de poser une pêche, là, j'en peux plus. C'est dingue, ça. Ça vient avec une odeur. Oh. Vous trouvez pas? Ma, 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 ma.